Hello, bonjour, toujours un petit tutoriel sur votre boîte Gmail que j'ai ouverte, comme vous pouvez le voir à l'écran. Simplement pour vous montrer aujourd'hui comment supprimer un message que vous avez reçu dans votre boîte de réception ou tout simplement un message envoyé, peu importe lequel. Vous pouvez supprimer n'importe quel message, mais aussi comment récupérer un message si vous ne voulez pas le supprimer, avant de vider votre corps, bien évidemment. Je vais commencer par aller sur ma boîte de réception et je voudrais supprimer par exemple ce message. Je coche donc dans les petits carrés qui sont à gauche des messages pour les sélectionner. Je peux en sélectionner bien évidemment plusieurs. Je vais en cocher 4 par exemple. Les 5 que j'ai là, si je ne veux pas supprimer celui-là, je reclique dessus pour enlever l'encoche. Et je sélectionne évidemment ce que je veux supprimer. Il suffit alors de cliquer sur la petite corbeille que vous avez là, avec le bouton gauche de votre souris, et ils partent à la corbeille. Pour vérifier cela, vous cliquez sur le plus qui est ici à gauche, et vous allez voir corbeille ici. Et je clique avec le bouton gauche de ma souris sur corbeille, et vous voyez ici les messages que j'ai supprimés. On peut le faire évidemment avec les messages envoyés. Je clique sur message envoyé, je clique sur celui-ci, je coche celui-ci, je clique sur supprimer pour le placer dans la corbeille. Je clique sur le plus, je clique sur corbeille et je vois ici mes messages qui sont supprimés. Et puis finalement, dans votre corbeille, vous voulez récupérer un message parce que vous l'avez supprimé par mégarde. Il suffit alors de cocher sur le message que vous voulez récupérer ou les messages, hein, bien évidemment. J'en vais en sélectionner deux parce que je veux en récupérer deux. Première possibilité, déplacer ici vers, je clique sur la flèche avec le bouton gauche de ma souris et je le mets dans boîte de réception, je clique gauche. Ainsi, je déplace les deux messages que j'ai mis dans ma corbeille vers la boîte de réception. Autre possibilité, je clique sur le message que j'ai dans la corbeille ici. Je peux rester appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je reste appuyé dessus et je déplace vers ma boîte de réception ou vers mes messages envoyés comme je le souhaite et je lâche. Ainsi, je récupère, je reste appuyé, je fais glisser ma souris vers boîte de réception et je lâche. Ainsi, j'ai récupéré dans ma boîte de réception le message que je voulais. Je recommence, boîte de réception, je vais sélectionner deux messages que je vais supprimer. Ils partent ainsi avec le plus ici sur corbeille et ils sont bien dans ma corbeille. Pour récupérer un message, je coche ici, soit je déplace vers boîte de réception ici, soit je le prends, je fais glisser le message dans boîte de réception et je lâche. Dans la corbeille ici, je ne veux plus récupérer mes messages, mais je veux bien vider ma corbeille. Je peux sélectionner l'ensemble des messages en cliquant ici. Ça me permet de sélectionner tous les messages de la corbeille. Et je dis supprimer définitivement, ce qui me permet de vider ma corbeille. Bien évidemment, il faut récupérer ces messages avant de vider sa corbeille, sinon on ne peut plus les récupérer. Voilà comment supprimer des messages sur Gmail, mais aussi comment les récupérer si on en a besoin. À bientôt pour un prochain tutoriel sur votre messagerie Gmail.